Ce 14 mai, Jean-Christian Fraissinet des Baudins fête son 58e anniversaire. Le comédien grimé sur scène n'est plus un cœur à prendre et sa compagne de longue date n'est pas n'importe qui. Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraissinet forme un des duos comiques préférés des Français, celui des Baudins. Les deux comédiens qui incarnent une mère de 87 ans et son fils de 50 ans sont déguisés sur scène. Malgré tout, leurs visages sont bien connus. Contrairement à celui de Christelle Chappa, celle qui partage la vie amoureuse de Jean-Christian Fraissinet. Pourtant, le grand public a déjà vu son visage car elle n'est pas n'importe qui. En effet, Christelle Chappa n'est autre que comédienne et elle fait partie de la troupe des Baudins. Les fans ont déjà pu la voir interpréter le rôle de la nièce parisienne qui passe quelques jours à la ferme. Et tous les deux, en amoureux, ils sont à la tête de la ferme théâtre de Bellevue à Ville-en-Trois, Indre, où ils proposent des repas-spectacles. Les deux tourtereaux se sont rencontrés au Conservatoire National d'Art Dramatique de Tours. Ils ont ensuite créé la compagnie Caméléon Productions en 1994. Ce qui signifie que cela va faire 30 ans qu'ils sont ensemble. Une très rare photo, elle est donc un membre à part entière des Baudins depuis le début. Je suis devenu accessoiriste plateau sur le duo mère et fils, en 1994, avait-elle expliqué à France Bleu Maine. Et pour ceux qui se demandent à quoi elle ressemble, il suffit de faire quelques recherches sur les réseaux sociaux. Si Christelle ne semble pas avoir de compte Instagram, un comédien l'a mentionné sur une photo prise en 2017 où elle semblait incarner le rôle d'une femme assez stricte. Dans la troupe des Baudins, Christelle Chappa n'est pas la seule compagne de à travailler avec son l'homme de sa vie puisque Vincent Dubois est en couple lui aussi depuis 30 ans avec Marie. Qui travaille avec lui. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était une de ses anciennes collègues lorsqu'il travaillait encore comme ambulancier dans les années 1980. Une fois les Baudins créés, elle est devenue la régisseuse de ses spectacles. Bref, les Baudins c'est une histoire de famille. D'ailleurs les frères jumeaux de Jean-Christian Fraissinet, Vincent et Sébastien, collaborent aussi au spectacle.